On découvre la 1.0 de Vampire Survivors. Découvre, c'est un grand mot. Et mince, je me rends compte que vous voyez encore une putain de barre blanche en haut, c'est chiant. T'aimes bien grand mot, disons qu'on redécouvre le jeu après avoir passé pas mal de temps lors de la sortie de son early. Maintenant, on va découvrir le jeu. Le jeu fini en fait. C'est quoi le mode Twitch? Je pense que c'est le mode qui du coup va me mettre des musiques libres de droit. Alors, j'ai pas mal de persos, mais j'ai pas du tout fait tout ce qu'il fallait avec eux. Ah voilà, ah c'est cool à droite, on voit ce qu'on a fait avec quel perso. Oh, mais c'est fantastique. Oh, voilà, donc c'est naze quoi. Max Weapon 6. On peut choisir. Oh, c'est chaud. Je sais plus du tout les comment on appelle ça? Je sais plus les combinaisons à faire. Lama, ça a l'air bien ça. Je sais plus les combinaisons à faire en fonction du perso, machin, je ne sais plus rien. On va prendre un personnage simple. Soit Imelda. Et franchement, je reprends Imelda. Hey, Imelda considère que j'ai rien fait avec elle. Ok, du coup, alors, bonus expérience. On peut choisir maintenant les trucs à faire et il y a des trucs à trouver. Genre à la bibliothèque, j'ai un truc à trouver. Et je pense qu'on va y aller. Et ça, c'est quoi? C'est la musique. Bah, je vais laisser la musique telle quelle. Sanglant, c'est quoi? Ah, c'est le Hyper Mode. Oh, oh, vitesse x2 et arcane? C'est quoi arcane? Ah oui, c'est avec les cartes en plus. Oh, vas-y, je vais tout cocher, on va tout tester comme ça. Alors. La portée change toutes les 10 secondes. Genre des effets changent toutes les 10 secondes. Permet aux âmes lycées d'infliger des coups critiques, tous les dégâts critiques. Bah, c'est bien ça, je préfère. Oh, ça fait longtemps! Quel plaisir. Ah oui, il faut que j'aille chercher tout de suite un bonus. Alors. Ça, c'était trop bien dans la bibliothèque. Je vais prendre ça en premier. Je me rappelle plus du tout des combinaisons, c'est pas grave. On va se souvenir plus tard. Oh, l'ail. Ça fait si longtemps que je l'ai pas pris, l'ail. Le fouet ou l'ail? Non, mais moi, je préfère les bibles orbitales, moi. Ou le fouet. Allez, je prends le fouet. On reprend ce qu'on connaît, ce qu'on se rappelle. On va monter au niveau 2, mes petits trucs. Alors là-bas, j'ai quelque chose. Il me dit que j'ai un anal là-bas. La vache. Ça va trop vite. Hop, aléatoirement, un ennemi. Oh, le tonnerre, ça a l'air bien. Je vais augmenter niveau 3. Je vais augmenter mon arme principale si je peux. Et on va aller voir ce que le jeu veut me montrer. Oh, champ de mana! Il me dit quelque chose. Et faire le voix en plus. Et du coup, la run va durer deux fois moins de temps, je crois, c'est ça? Ah non, mais à droite aussi il y a des trucs, à gauche aussi il y a des trucs, il y avait des... Ah, vous voyez pas, j'ai des flèches un petit peu pareilles en dessous de moi là, mais qui vont dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai plus tard, je changerai ma cam de place. Un taxi à la télé. Amuse-toi bien avec Kiwi, salut Fernalou. Oh, la musique. Encore mal à la tête. Ah, salut Oxley! Excusez-moi, je vois un coup maintenant. Bah, bon courage, Théorique Louis. Oh punaise, le cooldown qui est immensément long. Regardez mon fouet. Mon fouet, il a changé là. Les brassards, c'est pourquoi? C'est pas pour le fouet. Le fouet c'était
c'était le cœur noir. Ou le cœur rouge plutôt. L'un des deux cœurs. Mais ça me le dit maintenant, je crois. Les épinards, c'était pourquoi ? Je sais plus. Alors attendez, pour ma baguette, j'ai besoin du bouquin. Il baisse le cooldown. Pour le fouet, j'ai besoin d'un cœur. Je sais plus lequel, mais j'ai besoin d'un cœur. J'ai pas coché celui qui accélère longtemps ? Oh merde, j'aurais dû ! J'ai un pote en janvier pour le rendez-vous neurologue. Ah, c'est que en janvier, putain. Non, les épinards, c'est pour une autre arme. Je prends pas les épinards. On verra plus tard. Oh, le laurier ! Où je me rappelle. J'avais le lien, j'avais un lien, j'avais un truc. Le Grisillon m'avait donné. Je l'avais mis dans le jeu, je crois. Ok, clicker. Non. On est dans le stream, alors. Non. On est dans le jeu. Je l'ai pas le lien. Ah si, je l'ai là. Aïe. Alors attendez. C'est quoi avec le fouet, les pierres runiques? Ah, c'est une armure. Ça change, non? Je sais plus. Laurier, c'est avec quoi? Désolé, hein, j'avoue, c'est un peu... Je me spoil un peu, mais en vrai... Ah, oh, ça... Ah oh, oui, non, j'ai rien dit. Ah, mais en vrai, je le savais, j'ai juste oublié. Donc c'est un rappel. Le laurier, je sais plus avec quoi ça va. Il n'y a pas écrit sur ma liste. J'ai des dégâts lorsqu'il est actif. Le laurier, ça va avec une arme que je connais pas. Ok. Bon, on va augmenter le fouet. Ah, oh, merci, bisous. Oh. Est-ce que je prendrais pas les haches en vrai? Et les haches, ça va avec le chandelier. On verra après. Cœur rouge, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Ouais, c'est... Je confonds. Ah oui, maintenant il y a ça aussi. Oh, la musique est trop cool! Je savais pas qu'il existait ce site. T'as vu un petit peu quand on échange d'avis? Après l'origan, le laurier. C'est important, les épices, ici. Donne tes épices, épices et tout. Vous me dites si la musique est trop forte. Moi, j'adore quand la musique est forte. Votre personnage gagne... Ah, la couronne! Ah, mais ça va ensemble, c'est ça? J'utilisais jamais ça, moi. Après, après, j'ai réussi à avoir l'ulti de ça une seule fois, je crois, mais je l'ai pas beaucoup utilisé. Oh, le tiramis! Le tirage Jizou! Ça ressuscite, c'est vrai, mais je crois que j'ai déjà un raise, moi. Oh, je m'en rappelle. Je crois. J'y jouais l'hiver dernier à ce jeu. Et comment je kiffais! Comment je kiffe encore! Oh, la Bible! C'était bien la Bible! L'eau bénite aussi!
Pourquoi l'objet de la Bible, il a changé de tronche? Il a changé de tête. Allez, je mets la Bible. J'aime bien. Le son est bon. Ah, merci. Nickel la musique, mais elle est tellement cool en plus que j'avoue, j'ai envie de vous en foutre plein les oreilles. Pas d'agréable, je touche jamais, mais bon, j'imagine que ça faisait un succès ou un truc du genre. Ouais, mais maintenant, il peut être intéressant le pentagramme, je l'ai eu une seule fois. Ah, mais il te le dit. Je crois que je peux le trouver sur cette map, mais on va pas prendre le risque de ne pas l'avoir et je fais ça. Parce que ça a peut-être changé, tout ça, les maps ont peut-être changé, donc... C'est pas grave. C'est une petite run plus pour s'étirer un petit peu, pour s'échauffer. Le pentagramme pour gagner un succès qui demande à faire monter les persos au 99. Ah, le pentagramme, il est utile pour ça? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, si tu baisses le cooldown, que tu peut-être augmentes sa durée ou je ne sais quoi, ça peut être... Et puis bah que t'as tu augmentes au max, ça peut être assez bien, je pense. Un petit projectile de plus, let's go! Alors, on a des cartes. Oh, je suis loin encore, hein! Ah là, oui, il y a un truc. Ah, mais c'est la thune. Bon, on prend pas. Je voulais pas les prendre, ça non plus. Moi, je veux prendre les objets qu'on me montre à la carte. Qu'on me montre sur la carte. Et puis dans la BU, là, voilà, je reprends mes marques. Je connais. Moi, la vitesse, la santé, la quantité et la fréquence des ennemis. Ouais. Je me rappelle de ça. C'est aussi un truc qu'on rajoute. Bon, allez, je suis niveau 8 avec ça. C'est bien. Je vais pouvoir... Au prochain boss, avoir une arme maxée. C'est bien. Ça me fait peur, elle. Voilà, c'est juste pour un petit peu looter. Parce que je commence à être léger au niveau DPS. À être légère. Hein. C'est vrai que c'est important d'avoir un truc qui soit un peu au corps à corps avec, j'ai l'impression, ici, à cause des nanas qui te foncent dessus, là. Alors. Maintenant... Ah bah non, mais il y avait déjà un ulti avec les éclairs. Parce que je dis maintenant, il y a un truc avec les éclairs, mais il y avait déjà en fait. Je me rappelle que j'ai fait. Vise ennemi plus proche. La croix c'était avec quoi? Avec la chance. Bon, je peux passer en vrai, hein, mais j'ai envie de prendre tout ce qui s'offre à moi. Et on peut battre la mort. Après, les éclairs, j'avoue, je les trouve cool. Même si je pense que la croix est plus intéressante. En plus, l'anal, il double tout. Non, je vais prendre... Je vais prendre ça, j'aime bien ça. Un moment que j'ai pas joué au jeu. Ouais, mais comment t'es... J'y ai beaucoup joué quand je l'ai eu. Et puis voilà. Je vais augmenter mes bibles. L'autre, c'est ça que je vais mettre niveau 8 tout de suite, vu que j'ai pas encore l'autre truc. Les poignards. Poignards, je les utilisais assez peu. Je les utilisais surtout quand j'avais le gars, quand je prenais le mec qui a des poignards. Oh! Je vais mettre celui-là d'abord. Oh, ça, je connais pas ça. Génère des zones de dégâts lorsque vous vous déplacez, frappe lorsque vous vous arrêtez. C'est marrant ça. Je vais pas essayer tout de suite des nouvelles armes. Ah, quoique... C'est quoi ça? Avec des ailes. Oh, allez, on teste, hein. Allez, je suis une gueudin.
Quand je me déplace, ça fait des zones de dégâts. Ça se voit pas trop. Ah d'accord, donc faut que je fasse une zone. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Ah, c'est un gameplay assez, assez différent. Oh là là, il est nouveau celui-là. Voilà, on va faire ça un petit peu. Et on va aller chercher un coffre. Hop. Niveau 9, voilà. On prend ça et on prend ça. Je sais pas ce que c'est. Canalise les forces obscures. Pour vous me dire. Bah c'est super. Ça c'est avec le laurier ça. Et il y a deux flèches apparemment. Bah c'est super. Non mais je veux pas ça. Mais au moins je les loot, c'est bien. Mais c'est trop bien maintenant, elle te dit quel objet est bien pour quelle combinaison et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Là, je vais faire un peu plus mal, là. Si c'est ça. La thune, mais on dirait beaucoup de thunes. J'aime bien avoir beaucoup de thunes. Qu'est-ce que c'est ça, c'est une nouvelle carte? La vitesse des projectiles change toutes les 10 secondes et aussi en temps... La guérison est doublée. C'est bien ça. Durée des effets change, la portée change. Non, non, le truc qui me donne de la bouffe, là, c'est bien. Mais j'ai encore un truc à aller chercher à droite, je vais y aller. La reliure magique, elle a changé. C'était pas ça avant. C'était pas ça, non, non, non. Au début, il était mal ses créatures, oui. Ah, au début... Ah, merci, oui, pour les annonces de ce qui est gratuit sur Epic, faut que je vois. Merci, Infernal. Au début, la première fois où tu joues... C'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Salut, Vendy, ça me va. Je veux jouer. Bah, vas-y, joue. Et tu nous partages ton expérience, vas-y. Je sais pas ce que c'est ça. Oh, plein de thunes! Mais j'ai plein de moula! Je me lève. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que t'as dormi au moins. T'as fait combien sans dormir du coup? T'as dû faire pas mal, toi. Bah, lui, il me suit en permanence et il me fait mal. Y'a un truc qui est niveau 8 ou pas? Le fouet? Ah bah le fouet. Bah let's go. Let's go! Le fouet qui heal. Du coup après, tu zéro qui veut fuck de ce qu'on te fait. Ça je prends. Durée d'effet plus 10, c'est bien. Lance... Allez on va faire... voilà, on va faire step by step. Par contre je vais regarder. Ok, je suis un peu loin, mais on va y aller. Oh, c'est le bordel, j'adore le bordel! Toujours un plaisir, le bordel dans le jeu. Par contre, je vais baisser le bruit des bruitages. Un peu trop baissé, je m'en rends compte, là, je m'en rends compte. Ah, c'est bien. Voilà, là, c'est parfait. Il meurt un jour, lui? Peut-être pas, hein, peut-être qu'il va me suivre tout le long. Maintenant, c'est foutu.
J'essaie de passer niveau 9, niveau 8 avec les bibles, enfin niveau 9 quoi, niveau légendaire machin là. On va upgrader, voilà. Upgrade nos bibles. On va se focus là-dessus, puis on fera d'autres trucs. J'ai un coffre aussi là-bas, je crois, oui. Et de toute façon, on va back après. Oh, je laisse plein de coffres derrière moi, ça me dégoûte. Ah, oh, c'est pas les bibles. Je vais bannir celui-là. On verra plus tard. Je vais chercher, attendez, il y a un coffre là-bas, je vais le chercher. Voilà, parfait. Voilà, on aura un... Ouh, un super coffre. Pas loin de 20 heures de dodo. Waouh. Oh, regardez-moi cette moule là. 1 million. Et tous ces upgrades incroyables. Par contre, il me suit toujours l'autre. Hein. Ça fait depuis 45 minutes. Ah, c'est bon, il est mort. Je l'ai éclaté. C'est quoi? Moi, j'ai un truc en plus. J'ai pas compris. Ça donne un niveau direct à un truc aléatoire, j'imagine. C'est trop stylé. Let's go! Oh, je mets A maintenant. Bon, faudra que je fasse gaffe à... Ouh! Oh, les éclairs, qu'est-ce que c'est cool! Le truc de malédiction, là, je... Voilà, je verrai plus tard. Hein. Je sais que déjà, le fait de l'avoir pris, ça a sûrement débloqué des trucs, ou en tout cas, succès, un truc, machin. Mais bref, là, l'objectif, ça va être quand même d'aller là-bas un jour. On est bien là. C'est quoi avec ça? C'est les ailes. Ah mais j'ai plus de place. Bah oui. Normal, j'ai pris un truc que je voulais pas prendre. C'est pas grave. Je pense qu'il faut quand même que je max ma nouvelle arme pour débloquer l'upgrade, je pense. Anneau d'or avec deux pendules. Ah, c'est bien bizarre. J'ai plus rien du coup à droite, on est d'accord. On est d'accord, je peux retourner vers la gauche. On va voir si j'arrive à tout parcourir pour récupérer les autres trucs à trouver là-bas. Augmente la vitesse, la santé, la quantité, la fréquence des ennemis. Mais c'est chiant. Mais c'est super chiant en fait. Les bruitages, ils sont forts quand même parfois. C'est quoi, je vais augmenter la musique. Et je vais peut-être baisser en tout après. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais baisser le tout. Je joue manette, ouais. Totalement manette, ces jeux-là. Oh, j'aime pas ces petits bruitages, ils m'énervent. J'ai l'impression qu'elle a baissé la musique depuis tout à l'heure. Et là, elle est plus forte la musique. Un souci, hein. Que je bannisse.
que je bannisse des trucs. Sinon, dès que j'aurai un coffre, ça va augmenter les trucs que je veux pas. Voilà. Il me propose pas de sélectionner. Ah voilà. Bannir ça. Du coup maintenant... Voilà. Ça m'augmente et ça me donne plein de tout et voilà. Bannir qui quand Internet qui se réveille. Oh putain, parle de moi là. C'est mon moment. On n'est pas à côté. Ah, ça, tu veux gold coin total. Je vais expliquer pour le reste. Ah, d'accord. Allez, always. On va faire always la thune. Comme ça, c'est pratique. Ça va vite là. Hein. Oh, le bordel, mais tu n'arrives pas à suivre. T'inquiète pas, je regarde même pas l'écran, moi. À réviser. Ah, Fire. Il doit bosser. Si tu sors pas, je me fais cuire des nems. Mais aujourd'hui, il nous a fait des petits croissants. Et oui, c'est moi qui ai fait. Mon copain, il a quand même fait la béchamel. Des petits croissants. Jambon, sauce béchamel et fromage. Voilà. Avec salade verte. Les petits. Ouais, bonne année, Varnalou. Faut que je fasse gaffe à pas aller trop vite. Et sinon, je risque de perdre de la vie. Ah, on y est presque. Ok. Oh, level up. Ah bah du coup, ça a piqué de la thune. Un gros boss là. Bon, je peux avancer après. Hein. Et un coffre derrière, c'est pas grave. Ah, je m'en approche. Oh, ça me ralentit, ça me ralentit. Y'a un truc à prendre. C'est pas ici? Il est là. C'est bon. Permettre de consulter les évolutions et fusions des armes découvertes dans le menu pause. D'accord, c'est bien. Un peu déçu, mais c'est bien. On a plus que 4 minutes pour essayer d'aller à gauche. Choper le dernier truc. C'est loin, ça va être compliqué. Surtout qu'avec les boss là qui sont constants, je peux pas avancer aussi vite que ce que je voudrais.
Ah, j'ai été touché là. Mais attends, j'étais pas. Ah, je suis presque. Canalise les forces obscures pour me protéger. Mais j'ai trop bien. Ah d'accord, donc les deux se vont ensemble. Trop stylé. C'est marrant. On a réussi! On a trouvé les livres délivrés, on a atteint niveau 50 avec Imelda, on a débloqué des trucs, on a rempli 80 entrées dans la collection. C'est bien! Notre pile. Ah oui, mon minuteur va deux fois plus vite, ouais, c'est bien ça, ça fait même pas... Oui, oui, d'accord. Bon, on n'a pas fait vraiment une demi-heure là. En VOD? Ah, on est une demi-heure de VOD, remarque. Je sais pas. GG, merci hein! Trop bien! Bon, va falloir savoir comment utiliser nos thunes pour le bonus. Ah, mais on n'a pas remboursé les bonus. On a pas plus de sous alors. Voilà. Oh, je pensais qu'il y avait plus de trucs. Alors, commencez. J'imagine que j'aurai des trucs à débloquer plus tard. Imaginons que je reprends Imelda et que je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire. Là, j'ai eu les reliques. Ah, j'ai l'usine, j'ai des trucs à voir. Oh non, mais attends. Ok. Les catacombes, ça a l'air très dur. Clair de lune. Santé adverse plus 60. Oh là là, ça a l'air dur. Ok. On va faire un petit coup d'usine laitière, je pense. Mais je vais peut-être choisir un autre perso. Battre la mort en vrai, je vous conseille de prendre le temps qui passe plus vite. Ok, ouais, ouais, bah, battre la mort sera plus tard. Hein. Là, j'ai pas joué depuis 6 mois. On se calme, quoi. J'ai déjà fait l'usine laitière avec Poupéa. Bon, allez, on continue avec Imelda. Hein. J'ai repris mes marques avec. On va aller à l'usine laitière. J'ai tout mis en plus, ouais. Guérison doublée. Projectile les armistés obtiennent jusqu'à 3 réponses. C'est bien. T'as dans l'usine, ça me semble très bien, 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 bien. Oh non, je préfère ça en fait. Oh, tout ce que j'ai récup. Waouh. Ça va être compliqué, hein. Là, il y a presque plus de bruitage. Je sais pas par où aller. Est-ce que je fais déjà le bouquin? Alors le laurier, c'est avec les flèches. Est-ce qu'on tente ça? C'est chaud. Je vais peut-être le tenter sur une autre map, hein.
Ah, les oiseaux, je me rappelle les oiseaux. En fait, ça me stresse ça, cette map. Le pentacle avec la couronne. Bof. C'est pas la map pour, je pense. Ah ouais, l'aiguille de pendule, il y a de nouveaux trucs. Ah bah c'est avec l'anal. Bon bah voilà. On va aller le chercher là-haut. Y'a un truc vert. Pas le truc vert. Putain, mais y a des flèches partout, c'est horrible! Oh la vache, ils ont tous ça en niveau, putain. Oh, merci pour les infos, Grisou. Oh, c'est horrible. Tu peux retirer les flèches. Ouais, non, mais moi, c'est le problème, c'est pas les flèches. Le problème, c'est qu'il y a trop de trucs à récupérer. Moi, j'aime bien qu'on me dise, hein. Faut que je prenne un niveau. Boule de feu, c'est avec quoi? Ah, on va faire baguette de feu. Attends, je vais les tuer. Ah mais ils sont encerclés de bleu aussi, ils sont plus forts. C'était pas volontaire. Oh, j'ai pas besoin de prendre des risques pour des pièces. Je fais zéro dommage. J'ai mal commencé, mais c'est pas grave. Si je peux aller chercher un objet déjà, ce sera bien. Parce que ça, c'est un nouveau truc. C'est pas grave. Oh, je tue plus jamais rien. On y est presque. Un coffre. J'ai envie de tout récupérer, mais oui! Ah, je m'enferme, je voulais récupérer l'XP.
Oh lui, jamais je le tue. Un petit poulet en bas. Vraiment pas terrible comme essai, mais bon, je reprends après très longtemps. Hein. Le poulet il est là-bas. Tout pour mon poulet. Ah oh, punaise, il y avait un coffre. Oh, punaise, je m'enferme. Ah oh, punaise, je vais mourir en essayant de récupérer un coffre. Je vais raise. Oh putain, tout ce qui pop sur ma gueule. Ah là, c'était pas terrible. C'est pas grave. Ah, ça m'a même pas fait de succès pour avoir récupéré l'anneau. Bon, tant pis. Stein, tout à fait. Je vais retenter l'usine. Je pensais débloquer un truc en prenant le j'ai rêvé en prenant l'anneau. J'ai pas réussi. Ça va bien mais ici hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme build avec lui? Peut-être la hache, la croix ou la hache, je sais pas. La hache, c'était pas mal. La croix, je m'en rappelle plus. J'aimais pas au début, puis après, ça allait mieux. Deux succès qui me manquent, mais je sais pas comment. Oula! Ah oui, il faut que je vois les succès qui me restent à débloquer. Mais bon, faut que je fasse de toute façon les maps avec le plus de persos possible, alors... Il est temps que j'appréhende un petit peu... Voilà. Appréhende un petit peu le jeu, quoi. Y avait pas un XP qui flottait quelque part là au tout début? Non.
Il est où le bouquin que je dois récupérer tout en bas? Ok, donc on va plutôt descendre alors. Il faut pas que je réussisse à aller au bout de la partie. Bah, évidemment, là j'ai le trèfle et la croix, merde. On prend les deux. Le poignard. Le poignard, c'est quoi? Avec quoi? Ouais. Ah, c'était pas mal en marque, mais bon. Je vais tenter la croix, peut-être. Je prends d'abord le trèfle, puis la croix. Maintenant, je suis obligé, maintenant. Je m'enferme. Je voulais tenter un truc, j'ai pas réussi. Horrible, hein. Il est trop dur, ce niveau. Oh, l'ail. Ça peut être bien, l'ail. Merci beaucoup, Infernal, pour ton prime. Merci beaucoup, ça fait 21 mois que tu primes. Donc 4 mois consécutifs. Merci. Merci, Infernal, salut Yaz. Je vais augmenter ma hache, on verra. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais putain, mais je fais nawak. Non, mais il me faut l'ail, je pense. Non mais dégage toi, tu... Pas sympa, méchante. Elle est méchante cette créature qui me suit là, elle est trop méchante. Monstres, ils sont méchants, ils font trop du mal, ils sont trop méchants. Regardez comme ils sont méchants. M'en fous, je vais là. Hop là, rien à battre. Let's go. Petits éclairs là. Vraiment les malins. Aïe. Putain, juste pour un. Ah, l'eau bénite. On verra plus tard. On verra plus tard. C'était bien, mais je sais pas si c'est la map pour. C'est bien d'aller ma petite où du coup il y a des... Enfin, je sais pas. Je sais pas, en fait, je connais R, mais je suis sûr que j'ai un peu raison. Putain, le coffre! Oh, ça, je prends ça. J'avais pas beaucoup d'XP qui traînait quand même. Non, arrêtez. Bon, c'est où là? Putain. Y'a des murs, je suis dans la merde, y'a des murs. Voilà. Il a fait un peu de l'espace. Non mais pourquoi ça? D'où ça vient? C'est chiant. Oh, je prends trop de risques pour récupérer de l'XP, c'est terrible. C'est trop dur là, les tiris. Non. Ouais, tiens, dans vos gueules, l'eau. Alors, c'est tout le monde. J'ai braqué mon entretien d'embauche tout à l'heure. Je suis reparti avec un CDD de 2 mois. Et 2500.
Hors prime. Bah trop bien ça. GG, félicitations. Vraiment bravo. J'ai un coffre là-haut encore. Oh j'y remonte pas, c'est pas grave. Oh j'y remonte en fait. Oh putain, c'est trop loin, non, reste du jour de sang. Change beaucoup d'avis. La bouffe. Oui, merci. Trop bien. Arrête. Mais ça va pas, non? Le jeu, il va pas bien. Il est trop foufou avec moi, là. Moi, j'ai récupéré de la bouffe. Je suis full. Incroyable. Je suis plus full, mais c'est pas grave. Je l'ai été pendant un temps, c'était cool. C'était cool d'être full. Un coffre. Bon, faut que je prenne de nouvelles armes. Je vais prendre les pierres runiques parce que si ça rebondit partout, c'est bien dans une map qui est fermée comme ça. Ensuite, on verra. Il y avait encore un coffre là-haut, mais c'est pas grave. On descend. Non, je voulais pas le prendre, je voulais le laisser lui, mais c'est pas grave. Ah! Trop bien. Avec le fouet, ça va être un peu plus sympa. Même si je prends cher, je pourrais me heal. Putain. Peut-être prendre l'ail, hein. Si je retombe dessus, il y a des chances pour que je le prenne. C'est avec quoi, là? C'est avec un cœur. Quoi, un cœur? Collectif, merde. Je vais crever! C'est bon, je m'en sors. Enfin! RIP! Faut que ça s'arrête, ça! C'est quoi? Je sais plus ce que ça fait, ça! Tiens, faites-moi les mains! De nul. Hors prime gaming, ouais, bah c'est exactement. Je l'ai lu comme ça. J'ai pas lu hors prime, hein, j'ai lu hors prime. Je pense que c'est exactement ça ce qu'il voulait dire. Hors prime gaming, je suis. Bientôt. Le trèfle. Plein d'XP.
Oh, je vais respirer un petit peu là. Il y a le candélabre de... T'es où? Là. Tina, alors il y a un anneau, mais avant, il y a un bouquin aussi, il est là-bas le bouquin. Parce que l'anal, bah non, on peut peut-être pas le prendre alors. Ça débloque R. Un accès permanent à la liste des ennemis éliminés. Merci. J'adore prendre tous ces risques pour avoir un petit catalogue. C'est toujours bien. Le catalogue Ikea, on l'a cherché dans une usine pleine de monstres. Mais ça vaut le coup, putain! 520 000 références. À deux pas de chez vous. Bon. J'ai dit un chiffre au hasard. Moi je voudrais le high. Bah, je vais prendre le truc, le passif de l'high, et je vais prendre l'high. Parce que là j'ai besoin d'un truc qui me protège de prix. Mais je vais changer un petit peu de bible. Je suis un peu fou. J'ai perdu de la vie là en quelques secondes. Hey, y'a pas l'ail. Punaise, je savais que j'aurais dû prendre quand je le voyais, maintenant je le vois plus jamais, ça dégoûte. Je devrais aller chercher les bonus en vrai. Je vais y aller. Je vais prendre ça quand même. Voilà, et plus jamais d'ail. Oh, une patate. Hey, j'ai trouvé l'ail. Je vais voir ce que fait l'anal, on y va. On n'est pas loin. Je savais qu'elle allait faire dans le chat, il n'y a que l'ail qui m'aille. Je savais.
Il y a des coffres là-haut, c'est ça? Il y a des coffres là-haut, j'y vais. Parce que là, il faut vraiment que je max des trucs. Il est où le coffre là? Il est là. Ouais. Du coup, ouais, trop bien. Reste quoi? Il y a encore un truc que je dois maxer là. Voilà, c'est bon. Non, je voulais. Oh, t'arrêtes de queener, Yox. Ok. C'est quoi ça? Guérison, c'est bien. Avec deux pendules. Faut que j'aille chercher l'autre là-haut. On va voir ce que ça fait. Il n'y a que l'ail qui lui aille. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait une variante. J'avoue. Oh, c'est trop beau, regardez, ça rebondit partout là, ça nique les yeux, j'adore. Non, je veux monter ça. Évolution de l'ail, oui. On est trop loin. Ah si, c'est vrai que le temps il a l'air de passer plus vite, hein, t'as raison Grisio. Il y avait un truc chelou sur la map, mais la flemme.
Je suis trop loin. Je vais prendre le heal. Mais là, il reste plus que 2 minutes, moins même. Donc on va prendre des risques. Je n'arrive pas à les tuer. Je les tue pas, je les tue plus jamais. J'ai tout qui a augmenté à fond et je les tue pas. Oh non. Elle m'a buté la mort là. Bah non, j'ai réussi ce stage complicated. Ouais, j'ai trouvé l'arc de Gouda. Portez 6 évolutions d'armes différentes. Atteignez niveau 50 avec Antonio. Trouvez l'arc Gouda. Un arc de fromage. Comment ça? Ah oui, oui, Gouda, oui. Oui, j'avoue. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Ok. Et bah je vais arrêter la VOD là-dessus, des bisous VOD. C'était la redécouverte de Vampire Survivors. Voilà, peut-être que je referai une ce soir, on verra.